Ce bon matin, bon matin, Église de Portage. est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Mon nom est Simon, pasteur des ados ici à l'Église. C'est vraiment une joie pour moi de poursuivre notre série sur l'Épître aux Romains. Et d'entrée de jeu, je te pose une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sous-estimer la valeur d'un produit que tout le monde te vend pour te rendre compte au final qu'ils avaient raison? C'est le produit le plus efficace dans sa catégorie. Peut-être que toi, c'est le Air Fryer, t'en as entendu parler, <laughs> tu l'as essayé, puis là maintenant t'es comblé. Moi, là, c'est vraiment pas original, ce que je vais vous dire, mais pendant longtemps, j'ai méprisé les minivans. Hein, les minivans, j'ai toujours trouvé que c'était laid, que c'était cher, et c'est pas original, mais pas viril. Hein. Je, je me disais, comment tu peux te sentir un homme en conduisant une minivan? Et là, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie dernièrement, il y a, ben, il y a, il y a deux ans, et j'ai eu un bébé et un enfant, ça vient déjà juste l'enfant tout seul avec son siège, ça prend toute la place mais avec tout le stock quand il faut que tu te déplaces, tu es plus confortable dans une petite voiture. Et là cet été, on a fait un voyage aux États-Unis avec mes beaux-parents, puis eux ils ont toujours une grosse famille, fait que c'est des fiers représentants des minivans. Et là, je me suis rendu compte des avantages d'une minivan. Tu as mis les enfants, tu as mis le stock et il te reste encore de la place. Tu es confortable, tu conduis bien, tu es même surélevé, tu te sens grand sur la route. Puis pour elle, là, j'ai été comblé et là, Maintenant, je me suis dit, OK, c'est efficace quand tu as une famille, une minivan. Ça reste l'être cher et pas véritable, mais c'est efficace. C'est efficace. Et de la même manière qu'on peut sous-estimer des produits qui sont les plus efficaces, trop souvent, malheureusement, même nous, chrétiens les premiers, on peut des fois sous-estimer la valeur, l'efficacité et la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. Et laissez-moi pas tout seul ici, mais est-ce que ça vous arrive des fois que vous trouvez ça intimidant partager la bonne nouvelle de Jésus? Je suis pas tout seul. Hein? Et Paul sait, c'est quoi être intimidé? Souvent, il a prêché l'Évangile alors que c'était illégal. Ça l'a mené en prison. Il a été battu, trahi à cause de l'Évangile. Mais ce qu'il veut faire avec nous ce matin, alors que la semaine dernière, il nous enseignait qu'est-ce que l'Évangile, l'apôtre Paul veut nous rendre fiers aujourd'hui l'Évangile. Il veut que tu retrouves ta pleine fierté dans l'Évangile. Il n'y a rien de plus beau et de plus puissant et efficace que la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi le titre du message ce matin c'est sept raisons pour lesquelles tu devrais être fier de l'évangile. Ce qui est vrai pour Paul devrait être vrai pour nous ce matin si tu le crois, est-ce que tu peux dire un amen On reprend la lecture, on s'est laissé la semaine dernière. Romains chapitre 1 verset 8, il est dit tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion en Dieu qui m'est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir et de vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affirmer votre foi, ou mieux pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous sachiez, frère, j'ai souvent fait le projet de, vous rendre, de me rendre chez vous, mais j'en étais empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous, comme parmi bien d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits, ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde elle est reçue par la foi. Rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Première chose, on peut applaudir la parole de Dieu, hein? ça se fait. « Amen ». Déjà, verset 16, Paul nous montre pourquoi il a tant de fierté dans l'Évangile que nous devrions nous aussi découvrir cette fierté, parce que c'est pas une puissance, mais c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Mon premier point, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Genèse chapitre 1 2 3 Dieu crée un monde parfait et il crée l'être humain pour qu'il puisse bénéficier de sa bonté, bénéficier de sa gloire bienfaisante. Et alors que Dieu est le créateur, faut y penser. Il est le créateur de la vie, c'est lui qui crée la vie, la vie, il est la source de vie et c'est lui qui soutient la vie. En tant que créateur aussi de toutes choses, c'est lui qui détermine le réel, c'est lui qui est le standard du vrai et du faux. Et comme il est celui qui est la source du bienfait, bien, du bonheur et de la vie, c'est lui qui détermine aussi ce qui est vrai, ce qui est faux, mais aussi ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qu'on voit en Genèse 1-3, c'est que l'être humain va décider à un moment donné de devenir son propre Dieu, de partir à son compte et, et c'est lui qui va maintenant rejeter Dieu de sa création et choisir par lui-même, c'est quoi, sa vérité, sa moralité. Essayer aussi déconnecter de, du créateur source de vie, essayer de vivre par lui-même, indépendamment de Dieu. Et ainsi, on voit que l'homme s'enferme dans la rébellion. Il a maintenant un cœur qui continuellement rejette le Dieu de vie, de lumière, de vérité et de bonheur. Et en rejetant ce Dieu, qu'est-ce que l'homme choisit à l'inverse En voulant vivre par lui-même indépendamment de la source de vie, l'homme choisit la mort, choisit les ténèbres, choisit de vivre dans le mensonge. Sa rébellion le contamine et devient au niveau de l'humanité un autosabotage qui mène vers éventuellement la destruction et la mort. Mais, dès Genèse 3, dès la chute de l'humanité, Dieu annonce un plan qu'il a en tête pour renverser l'œuvre de Satan. Dès Genèse 3, Dieu dit qu'il a un outil pour sauver l'humanité. Il aurait pu laisser l'homme à sa place et son choix, et l'homme ritère ce choix continuellement de rejeter Dieu, d'être rebelle envers la vie, la joie, la vérité et le bonheur. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Dieu a pourvu un moyen pour nous sauver de notre destruction et ce moyen, mesdames et messieurs, c'est faire plein de bonnes œuvres. Non, c'est pas ça c'est prier beaucoup, être le plus spirituel possible et être en bonne relation spirituelle avec lui. Est-ce que c'est ça? Passer un test de sainteté et si on est assez bon, il va nous admettre et nous et se réconcilier avec nous. Non. Le moyen que Dieu a choisi, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui va venir lui-même sur terre accomplir ce qu'on était incapable d'accomplir à cause de notre rébellion, recevoir à la croix la conséquence de ce qu'on aurait mérité, le rejet de Dieu, et par sa résurrection nous prouver que tout est accompli. Tu peux être accepté en Jésus de Dieu, avoir la vie éternelle. Et même Paul voit dire que la puissance qui a ressuscité Jésus, c'est cette même puissance qui te donne, qui te ressuscite spirituellement et qui te donne maintenant un nouveau cœur qui n'est pas rebelle et qui désire vivre pour Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et il n'y en a pas d'autre, c'est le moyen que Dieu a choisi. En 1 Corinthiens 1, 18, il va dire, Paul va dire que Dieu a choisi la folie de la prédication de la croix de Jésus pour sauver. Et même plus loin, en Romains 10, 14, il va dire, comment les gens seront-ils sauvés si, et comment croiront-ils si personne ne prêche? Il va dire, ah, qui sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Non seulement Dieu nous sauve par l'évangile, puis il a un projet de sauvetage, mais il veut aussi nous inclure, nous, dans ce projet de sauvetage, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus qui sauve. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux faire un bon travail, tu as besoin du bon outil. Hein? on visse pas avec un marteau et on va pas aussi euh, on va pas utiliser un tournevis pour clouer on a besoin du bon outil pour faire le bon travail et avoir le bon résultat et c'est vrai aussi en santé si tu as un patient qui rentre et, et il a fait une crise du cœur donne-lui les meilleurs antibiotiques du monde son cœur ne va pas repartir il a besoin de quelque chose de spécifique et euh, Dernièrement, mon, mon frère a vécu quelque chose d'incroyable et on remercie le Seigneur pour ça. Mon, mon frère a un pacemaker. Et il s'est réveillé un matin et il a une espèce de petite tablette qui lui donne l'état de son pacemaker, c'est Wi-Fi. Et la tablette a révélé une icône qu'il n'avait jamais vue dans sa vie. Donc, son réflexe le matin, lorsqu'il se lève, c'est d'appeler l'hôpital, l'infirmière, pour lui demander c'est quoi la signification de cette icône-là Et l'infirmière n'a aucune idée, elle n'a jamais vu cette icône-là. Fait qu'elle lui dit ton cardiologue à toi, euh, qui te connaît bien, connaît ton, ton appareil, il rentre à 11 heures. Tu viendras faire un tour à ce moment-là on va te passer en priorité. Lui, il travaille dans la construction, donc lui, il se lève très tôt, 5 heures le matin, il s'en va à 6 heures travailler. Il va à sa puis il est contremaître. Il travaille jusqu'à 11 heures. Et à 11 h, il, il va voir son, son médecin. Il rentre dans le bureau du médecin. Là, le médecin, il dit OK, on va vérifier l'état de ton pacemaker. Et là, le médecin a à peine le temps de se retourner que mon frère vit un black blackout, tombe à terre, s'évanouit. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il y a tout le bloc de cardiologie qui est autour de lui en train de le réanimer. Et ce qu'il apprend, c'est que son pacemaker était sur le bord de lâcher et il l'a lâché au moment. Où il est entré dans le bureau du médecin. Mon, mon frère. Oui, on peut applaudir l'œuvre de Dieu. Une heure auparavant, mon frère était dans une shop de construction avec des centaines d'outils sophistiqués, très chers, très habiles pour construire n'importe quoi, avec des hommes très habiles pour les utiliser. Mais s'il avait été à sa shop, lorsqu'il a eu son arrêt cardiaque, personne aurait pu le sauver. Tu peux avoir les outils les plus intelligents avec les hommes les plus intelligents, les outils les plus sophistiqués de ce monde, les, les philosophies, les outils, les hommes de sagesse de ce monde, ils peuvent être, tu peux tous les avoir compilés autour de toi, mais ils ne pourront rien pour toi. Il aurait pu être dans sa shop. Aucun de ses, de ses collègues aurait rien pu faire avec tous ces outils sophistiqués. Il avait besoin du bon cardiologue, qui a le bon outil pour repartir son pacemaker. Il n'y a rien qui peut te ressusciter spirituellement que la bonne nouvelle de Jésus entre les mains du Dieu de paix et de gloire. C'est le seul outil. C'est le seul outil. Et Paul va continuer. Et au verset 17, il va dire, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Mon deuxième point, c'est la puissance de Dieu pour avoir une vision claire de la vie. Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé comment on en est venu au portail à avoir le slogan. Euh, Tatrage, tout a toujours rapport avec Jésus. Comment, quand on est venu avec ça, le, le christocentrisme, peut-être tu si t'es déjà demandé ça, est-ce il y a quelques années, euh, Gaëtan, il a, a calé un comité, tous les pasteurs, on est venus autour, puis on a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait nous distinguer des autres églises? Là? Ça serait quoi notre saveur à nous qui nous rendrait spécial? Puis là, il y a un, y a un pasteur qui a suggéré, là, genre Jimmy, il a dit, hey, on pourrait devenir genre too much avec Jésus. Toutes les autres pasteurs ont s'est dit, hey, bonne idée, on devient too much avec Jésus. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que c'est arrivé le christocentrisme, le tatrage au portail? Non. C'est arrivé parce qu'on s'est mis à étudier plus que jamais et profondément la parole de Dieu. Et ce qu'on constate, comme bien d'autres croyants à travers l'histoire de l'Église ont constaté avant nous, c'est que Jésus est le point focal qui attache toutes les ficelles de la Bible, mais aussi qui nous permet de comprendre qui est Dieu, qui nous sommes et même la vie. Tout s'attache à travers Jésus. Jésus est même la paire de lunettes qui nous permet de nous comprendre et de comprendre l'existence. Même la Bible dit, tout est écrit pour lui, par lui et en lui. Jésus est la prescription de Dieu pour te comprendre, pour le comprendre et pour comprendre le monde. En fait, C.S. Lewis, grand auteur britannique qui a écrit les Chroniques de Narnia, qui est aussi un grand défenseur de la foi chrétienne, a déjà dit Je crois en Jésus comme je crois dans le soleil, non pas parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois toutes choses clairement. Nous, Jésus attache toutes les ficelles. Et ça explique beaucoup de choses dans la vision claire parfois qu'on peut avoir sur certains sujets au portail. Des fois, peut-être que tu, tu, tu peux comparer, regarder, des fois on peut avoir l'impression que certaines institutions religieuses ont, ont, ont l'impression de marcher un peu à tantons, de, de ne pas savoir dans, dans, sur quelle chaise s'asseoir sur différents sujets, ils ne savent pas trop que, que, comment interpréter tel texte difficile, quelle décision prendre sur quelle théologie, quelle décision d'église serait la meilleure, ou même des fois comment qu'on se positionne face à un sujet de la culture, et souvent le problème justement, ça, ça vient d'un manque de clarté, de la bonne nouvelle de Jésus qui donne une vision claire, et c'est pour pourquoi au portail, la plupart du temps, bien souvent, on a une vision claire de comment interpréter un texte biblique, quelle position ou décision prendre sur un sujet théologique, comment le mieux possible, pour l'Évangile, diriger l'Église de Jésus-Christ et comment se positionner face au sujet de la culture. Parce que la bonne nouvelle de Jésus devient notre prescription pour voir clairement ce monde. Et c'est ce qui nous permet d'être sûrs de nous-mêmes. Et comme, comme l'apôtre Paul va dire euh, ici, l'Évangile est la puissance de Dieu qui nous révèle la justice de Dieu et la justice que Dieu accorde. L'Évangile te permet d'avoir la vision claire de qui est Dieu. Un Dieu de justice, de sainteté, de perfection absolue, de pureté absolue, mais qui à la fois, un dieu d'amour et de grâce qui veut nous sauver. Et l'évangile est justement ce qui vient réconcilier la justice parfaite de Dieu mais aussi son amour et sa grâce qui est parfaite. Et la meilleure illustration Pasteur Gattin en a parlé la semaine passée dans qu'est-ce que l'évangile en parlant du juge, mais c'est la meilleure illustration pour décrire comment l'évangile réconcilie cette justice et cet amour de Dieu. Dieu qui est le créateur de la vie, le standard comme je l'ai dit de tout, ne peut donner son approbation sur le mal et la mort alors qu'il est créateur de la vie, du bien et Dieu doit juger le Mal, doit juger la rébellion, mais en même temps, dans sa grâce et son amour, il veut nous sauver. Et c'est pourquoi Dieu, en tant que juge de l'univers, un peu comme l'illustration de cette veuve qui avait volé du pain pour nourrir ses enfants alors qu'elle est pauvre, en tant que juge, il est obligé de juger le vol parce qu'il ne peut pas donner son approbation au vol, mais ensuite le juge enlève sa toge et en tant que co-citoyen, il va payer l'amende que la veuve doit et en plus, il va remplir sa maison et ses coffres de pain pour ses enfants. Et Dieu fait la même chose. Dieu juge le mal, la mort et la rébellion, mais il se fait notre frère en Jésus-Christ, il paye la dette qu'on est incapable de payer, plus que ça, il nous remplit nos coffres de vie éternelle, de vie spirituelle pour toujours. C'est ce que Dieu fait. L'évangile réconcilie la nature de Dieu, son amour et sa justice. L'évangile est la paire de lunettes qui permet aussi de nous comprendre nous pleinement. C'est Brian Chappell qui va dire, à travers l'évangile, je réalise que je suis beaucoup plus pécheur et rebelle que je ne le pensais mais à travers l'évangile je réalise aussi en même temps que je suis beaucoup plus aimé pardonné et reçu à Dieu que je ne pouvais l'imaginer en rêver c'est l'Évangile, une vision claire de notre identité. L'Évangile nous permet d'avoir une vision claire de la Bible. C'est Jésus qui attache toutes les ficelles de la Bible. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné à ses disciples. Lorsque je lis la Bible du début jusqu'à la fin, quand j'ai Jésus en tête, je la lis comme si je regardais un film policier pour la deuxième fois. Je connais déjà c'est qui le criminel à la fin et là je vois tous les petits indices qui que je n'avais pas vu lors de ma première lecture. Et c'est aussi. La bonne nouvelle de Jésus qui devient notre paire notre de lunettes qui permet de se positionner face à la culture. Parce que quand tu comprends l'Évangile, quand tu comprends ta parole, on comprend que le monde dans lequel on vit n'a pas la même vision sur la vie que nous, nous avons. On ne part pas de la même paire de lunettes pour interpréter la vie, l'existence, le mal, le problème et la solution en Jésus et notre espérance en Dieu. Et c'est pourquoi... Plus tu as une vision claire et précise de l'Évangile, plus tu vas être capable de pouvoir te positionner fermement, comme l'apôtre Paul était bon pour se positionner fermement face à cette vie, face à toi-même et face à Dieu. Est-ce que je peux t'en emmener si tu le crois? Et peut-être que tu te dis, mais en quoi ça devient concret pour moi dans mon quotidien? L'apôtre Paul va dire, lorsqu'il va être à Athènes, en acte 17, il va dire en parlant de leur foi en Dieu, du Paul vient leur présenter le Dieu véritable. Et il va dire c'est comme si dans la vie vous marchiez un peu dans les ténèbres. à tantons. Il dit mais moi je viens vous présenter ce qui est ferme. Et peut-être que tu te demandes en quoi une précision, une connaissance précise de l'Évangile peut changer mon quotidien, me donner une puissance dans mon quotidien, d'une vision claire. Eh bien, là où ça fait une différence, des fois, tu as besoin peut-être d'un peu de recul sur ta vie et regarder autour de toi pour réaliser le, le, la puissance que l'Évangile est dans ta vie. Tu vois, il y a une différence concrète que l'Évangile t'amène dans la vie. Bien sûr, dans la vie, il y a toutes sortes de difficultés qu'on va vivre, des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Et il va y avoir des moments dans notre vie, des fois ambigu où c'est difficile de prendre les bonnes décisions, des moments de décision, des moments de tentation, des moments d'épreuve et de souffrance, mais tu as des convictions qui amène dans, ton, dans ta vie un grand avantage que les autres autour de toi n'ont pas. Surtout dans une société où de plus en plus on déconstruit de plus en plus la moralité. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien et de mal. Alors que le monde perd de plus en plus ses repères et les, les déconstruit, toi, tu as quelque chose de clair pour guider ta vie. En Jésus, tu connais ton identité. Tu sais qu'en Jésus, tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Tu sais qui tu es en Jésus. Tu connais ta valeur. Tu as la valeur du prix de la vie de Jésus. Tu sais qu'il y a un sens à ta vie, alors que ce monde essaye de trouver c'est quoi son sens. Toi, tu peux avoir cette conviction ferme qu'il y a un sens à ce que tu fais. Ce que tu fais en Jésus et pour Jésus n'est pas une goutte perdue dans un océan, mais est un investissement, il y a un impact dans l'éternité. Des fois, on peut en douter. On a besoin de foi, mais en Jésus, tu peux avoir cette conviction que ta vie a un sens. Ta vie a une valeur. Tu connais ton identité. Tu sais que tu as une destination aussi. Tu sais où tu t'en vas en Jésus. Ton éternité dans la joie et la vie parfaite de Dieu est assurée par la l'accomplissement de la croix de Jésus. Et ça, c'est un avantage parce que peu importe les turbulences, tes yeux sont fixes sur, tu as une destination claire. Les gens sont perdus, tournent en rond, mais toi, tu sais où tu t'en vas. Alors que ce monde déconstruit les valeurs, ce n'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu sais qu'il y a un bon et un mauvais chemin. Tu sais qu'il y a du bien et du mal et tu as accès à la volonté de Dieu dans sa parole. Et alors qu'on vit des moments d'incertitude, des situations qu'on ne contrôle pas, des fois qui sont douloureuses, dans ces situations, tu peux toujours avoir la conviction que Dieu est souverain, que toute chose au final va concourir à notre bien et à sa gloire, et de toute façon, en Dieu, le, le meilleur reste à venir au bout de ta route. Et ça, c'est une consolation dans l'incertitude. Et si tu le crois, est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu? La puissance de Dieu pour notre transformation l'évangile est la puissance de Dieu pour notre transformation vous savez l'évangile c'est par l'évangile que Dieu veut nous sauver de notre rébellion et de la destruction mais c'est toujours et uniquement par l'évangile qui veut renouveler notre motivation notre désir de plaire et c'est par l'évangile qui nous amène vers la sanctification vers une marche de gloire en gloire c'est par l'évangile qu'il veut nourrir notre sainteté Paul va dire je désire aussi vous annoncer l'évangile vous qui êtes à Rome en vue D'affermir votre foi. Je ne sais pas c'est quoi ton histoire avec le christianisme, mais, mais moi, euh, je suis chrétien, je, je suis né dans une famille chrétienne, je connais le christianisme depuis que je suis très jeune, et longtemps dans ma vie d'adolescent, le christianisme était symbole de quelque chose de lourd. Un joug qui était lourd sur mes épaules parce que je marchais dans la crainte et continuellement en essayant de gagner l'amour et l'attention de Dieu. Faire tout pour être dans ses bonnes grâces. Un peu comme un, un, un parent colérique, je faisais tout pour essayer de gagner son attention. Être certain que j'avais son amour. Je voulais être sûr que Dieu était de mon bord. Et je ne savais jamais où je me positionnais par rapport à Dieu. Chaque jour, je me demandais Est-ce que je suis plus proche du paradis où je suis plus proche de l'enfer. Aujourd'hui, j'ai des examens, aujourd'hui, il y, y a des situations, euh, des grandes décisions qui doivent être prises. Est-ce que Dieu est de mon bord ou Dieu est contre moi? Je voulais toujours m'assurer que j'avais l'attention et l'amour de Dieu et je faisais tout par mes œuvres, par mes prières, par ma lutte avec le péché, avec ce que je savais être mal. J'essayais de tout faire pour être sûr de gagner le plus de points du côté de Dieu, avoir le plus de petits collants dans mon petit cahier spirituel. Je vivais un jour qui était lourd. Et une des choses qui m'a bini en découvrant la puissance de l'Évangile, c'est qu'en découvrant l'Évangile, Dieu m'a permis de me libérer du poids et du joug de la religion qui essaye de gagner l'amour et l'attention de Dieu. Et cette vérité de l'Évangile m'a marqué, c'est de réaliser que si je suis réellement en Jésus, il n'y a absolument rien que je peux faire pour que Dieu m'aime plus aujourd'hui. Et il n'y a rien que je peux faire en Jésus-Christ pour que Dieu m'aime moins aujourd'hui. Parce que mon salut ne dépend pas de mes accomplissements, mais de son accomplissement en lui. Ce n'est pas mes actions qui déterminent mon christianisme, c'est les actions de Jésus qui déterminent mon christianisme. Et le miracle de la bonne nouvelle de Jésus, c'est que d'un côté, ça me libère du fardeau et du poids de la religion d'essayer de gagner l'amour et l'attention de Dieu. Mais l'évangile fait quelque chose en même temps, et c'est ça qui est miraculeux. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, permet justement de renouveler ta joie et ton désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Tu n'essayes pas de gagner son amour et son attention, mais tu as un désir renouvelé de vivre pour ça. Sa gloire, mais dans une liberté de joie et de cœur. Et c'est ça qui est incroyable avec l'Évangile. Un christianiste de yo-yo finit toujours, la corde finit toujours par se casser. Tu sais, c'est quoi un yo-yo, ça monte et ça descend? Et je ne sais pas si c'est juste moi qui est comme ça ou si plusieurs ici vous l'expérimentez, mais en vieillissant, je deviens de plus en plus fragile dans des manèges. Quand j'étais jeune, j'aimais ça. Aller dans des foires, des manèges et tout ça. Puis en vieillissant, c'est plus, plus vraiment ça. J'ai une petite sœur que j'amène une fois par année à la ronde. Et, et les parents ici, peut-être que vous, vous, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand c'est des belles journées, c'est safe parce que tu n'en fais pas beaucoup des manèges dans une journée belle à la ronde. Tu en fais comme cinq dans toute ta journée au complet. Tu fais plus d'attentes de fil que de manèges. Mais si tu tombes sur une journée moins belle, puis il y a moins de monde, là, tu passes plus souvent dans les manèges. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi l'orbite, là, c'est le truc qui monte et qui descend, ça fait comme une chute libre, ça monte super vite. Et à un moment donné, je suis là avec ma petite soeur, et là, on passe rapidement, on fait l'orbite. Une fois, c'est correct, c'est un peu le fun. Mais là, on finit l'orbite, il n'y a pas d'attente. Et là, ma soeur me dit, OK, on le refait, on le refait, on le refait. Deux fois d'affilée, ça ne marche plus. Là, tu es malade pour le reste de la journée, puis tu peux plus faire aucun autre manège. Une vie chrétienne de yo-yo, à un moment donné, la corde va se lâcher. Une vie chrétienne de yo-yo, c'est quand ton christianisme, tu le détermines par tes actions, par ce que tu fais. Cette semaine, tu as, as lu ta Bible, tu as prié, tu as lutté avec le péché, tu as fait des bonnes actions, tu te sens un bon chrétien. Cette semaine, là, dans ta tête, tu es un bon chrétien. Tu as l'impression que Dieu est avec toi puis rien est contre toi. Peut-être même qu'il peut y avoir un peu de comparaison là, puis tu te sens un bon chrétien par rapport à d'autres autour de toi. Une semaine, ça va moins bien. Tu as moins eu le temps de lire ta Bible, euh, ça a été un peu plus difficile ta lutte avec le péché, tu as, as raté plein d'occasions de servir des gens autour de toi. Et là, tu te demandes est-ce que Dieu est de mon bord cette semaine et Là, tu as l'impression d'être un mauvais chrétien. Et l'arrêté, c'est que plus tu pousses et tu regardes au standard parfait de Dieu, parce que Dieu est parfait, plus tu vas te sentir que tu es un mauvais chrétien si tu te compares à tes actions, à tes œuvres. Et le christianisme va devenir trop lourd à un moment donné. Les gens qui vivent par leur religion deviennent soit des pharisiens ou soit finissent par tout simplement abandonner la foi chrétienne parce que c'est beaucoup trop lourd. Et la réalité, c'est qu'un enfant, celui qui devient un enfant de Dieu, tu ne peux rien faire pour perdre le statut d'enfant de Dieu. Vous savez, ma fille, j'aime quand elle m'obéit à hein, mes consignes et je n'aime pas quand elle désobéit, mais elle reste toujours ma fille bien-aimée. Jean-Archambault reste toujours Jean-Archambault, indépendamment de comment elle agit. Et c'est la même chose avec nous chrétiens. Jésus, tu n'as pas besoin de gagner l'amour et l'attention du Père, parce que Jésus, c'est le Fils parfait qui a pleinement gagné l'amour et l'attention du Père pour toi. Et si tu es en Jésus, la Bible déclare que tu es un fils et une fille bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. En Jésus-Christ, ton identité, tu ne peux jamais la perdre. Oui, nous avons ce désir renouvelé en nous d'obéir au Père, parce qu'il nous demande d'obéir comme un Père, mais ton identité d'enfant bien-aimé, tu ne la perds pas, tu n'as pas besoin de la gagner. Elle n'est pas basée sur tes actions, tes accomplissements, mais sur sur les actions et les accomplissements de Jésus, parfait à la croix. Tu es enfant bien-aimé, frères et sœurs. J'ai fait de Dieu mon Père et Jésus mon Seigneur. Je suis libéré de devoir gagner cet amour et cette attention, mais j'ai un désir renouvelé de lui plaire. Si tu le crois, est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu? Quatrièmement, la puissance de Dieu pour avoir une vie spirituelle vivante et épanouie. Paul va dire, je remercie Dieu par Jésus-Christ. Et je te pose cette question. Quelle est la différence entre la prière de Paul et tous les types de prières qu'on peut retrouver dans le monde, toutes les prières qu'on peut retrouver dans les autres religions, même les prières qu'on fait aujourd'hui, c'est l'action de grâce et on entend souvent maintenant à la radio, je remercie l'univers, j'envoie des pensées positives, ou même la dévotion, même presque spirituelle, qu'on peut avoir des fois dans des philosophies ou du militantisme. Quelle est la différence avec la prière de Paul? Et toutes ces autres choses-là. La prière de Paul, elle est faite en Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Parce que la prière de Paul n'est pas adressée à un univers qui est froid et impersonnel. Elle n'est pas adressée à une idole fictionnelle ou à une philosophie humaine fonctionnelle. Elle est adressée à un Dieu personnel. Elle est adressée au Dieu créateur de la vie, l'être le plus déterminant et significatif de tout l'univers. Et en Jésus, tu as l'assurance que ta prière, elle est toujours pleinement acheminée à Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Jésus est le seul médiateur, et en Jésus, tu as un téléphone rouge ligne directe avec le Dieu de l'univers. Vous savez, c'est quoi un téléphone rouge? Les, 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 vieux, les, les vieux films d'agents secrets où l'agent secret, il y a un téléphone rouge qui permet de parler directement avec le, avec le président. Eh bien, Jésus, c'est ton téléphone rouge ligne directe avec le président de l'univers. Et ça, c'est une, une des plus belles puissances et implications de la bonne nouvelle de Jésus qui devrait nous encourager à prier au quotidien. Si tu es en Jésus, lorsque tu es en Jésus, que tu pries en Jésus, tu es connu de Dieu, tu es aimé de Dieu, mais à cause de Jésus, tu es toujours reçu, écouté et répondu dans tes prières. Maintenant, Dieu donne quatre types de réponses. Des fois, Dieu va dire oui, on l'aime celle-là. Des fois, Dieu va dire non, toujours pour notre bien et sa gloire. Des fois, il va dire attends. Et des fois, il va dire, oui, mais pas de la manière que tu l'as demandé ou que tu t'imaginais. Parce que alors que nous demandons, Dieu entend ce que l'on veut, mais Dieu sait ce que nous avons besoin. Et il va bien au-delà de ce que nous demandons, c'est la parole qui le déclare. Et je ne sais pas ici s'il si y a des chrétiens d'expérience ici. Et, et moi, pour ma petite expérience de ma petite vie que j'ai jusqu'à maintenant, j'ai fait l'exercice et lorsque je regarde en arrière de moi, je réalise qu'au final, lorsque je fais le bilan de ma vie, Dieu a bien plus souvent répondu à mes prières que ce que j'imaginais. C'est juste que Dieu avait bien mieux et bien plus que ce que je demandais. Il est allé au-delà de ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y a des vétérans de la prière ici qui peuvent témoigner en en... Merci. Cinquièmement, la puissance de Dieu pour faire la mission. L'évangile, c'est notre arme secrète pour la mission, c'est l'arme secrète du chrétien pour l'évangélisation. Encore une fois, venant d'une famille chrétienne, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de misère avec le fait de partager ma foi, avec le concept de l'évangélisation, parce que j'ai toujours trouvé que pour un chrétien, Comment je le concevais étant jeune, c'était une tâche qui était beaucoup trop lourde. Pendant longtemps, lorsque je rencontrais un non-croyant et qu'il y avait une opportunité de partager ma foi, j'avais l'impression que tout dépendait du fait que je devais avoir une bonne parole inspirante maintenant, quelque chose de mystique. Je rentrais en grosse intercession, puis Dieu, il faut que tu me donnes la bonne parole qui va rentrer dans son cœur-là. Puis un peu le scénario hollywoodien je vais dire la bonne chose au bon moment, puis il va fondre en lampe, puis donner sa vie à Dieu, puis tout va changer dans sa vie. D'autres fois, j'ai l'impression que là, il faut que je monte à quel point que je suis une bonne personne. Il faut que je montre à quel point je suis saint. Ou d'autres fois, il faut que je montre à quel point je suis spirituel. Ma spiritualité doit être supérieure à, aux, aux autres spiritualités qui me sont proposées. D'autres fois, je me suis dit, ah, il faut que je montre à quel point je suis impliqué dans les œuvres humanitaires et communautaires. D'autres fois, je me dis, il okay, faut que je connaisse mieux ma Bible, que je sois capable de débattre avec tout le monde et d'avoir toujours raison à la fin du débat. Il faut que je montre comment la Bible est plus sage. Il faut que je sois capable de me poussiner face à toutes les questions qu'on me pose. Au final, il faut que je sois toujours le meilleur tout le temps pour que ça marche. C'est lourd. C'est lourd. Alors que Dieu m'a jamais demandé ça, il ne nous demande pas ça. Juste partage la bonne nouvelle de Jésus simplement l'effet que la bonne nouvelle de Jésus a dans ta vie donne le goût à l'évangile en parlant comment que Jésus a simplement impacté ta vie simplement et une des choses qu'on a besoin et Paul nous le dit en se prêcher continuellement l'évangile garder notre esprit captif de l'évangile nous avons besoin régulièrement de redécouvrir dans nos vies la joie et le bonheur de la bonne nouvelle de Jésus je t'invite à étudier l'évangile acheter des livres sur l'évangile réétudier régulièrement la bonne nouvelle de Jésus dans ta vie retombe en amour avec la bonne nouvelle de Jésus pourquoi? On partage déjà naturellement les choses dont nous sommes emballés et passionnés. Tu viens de découvrir un nouveau restaurant, puis là, ce restaurant-là, c'est la vie, tu le partages à tout le monde autour de toi. Tu découvres une nouvelle musique qui te reste tout le temps dans la tête, tu as envie de la partager à tous tes amis autour de toi. Tu découvres la nouvelle série sur Netflix de l'heure et tu deviens le meilleur évangélisateur de cette série-là dans ton travail au milieu de tôt, autour de toi. A, les Canadiens sont bons, là, là, tu vas en parler des Canadiens. Quand on est passionné par quelque chose, on le partage aisément autour de nous. Redécouvrons une joie et une passion dans l'Évangile de Jésus-Christ. Raconte ton témoignage à la lumière de l'Évangile et invite à l'Église à la prédication de l'Évangile. Et ici, je me permets de faire une nuance importante que des fois, on, on passe à côté, mais cette nuance-là, elle est là partout dans la Bible. Une nuance importante. On partage notre témoignage, c'est-à-dire l'effet que l'Évangile a eu sur notre vie, et on proclame l'Évangile. C'est deux choses différentes. L'Évangile est quelque chose qui doit être prêché et proclamé. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas ouvert à une interprétation. C'est simplement, c'est quoi, quoi la prédication de l'Évangile? C'est la déclaration d'une vérité universelle. La, la, la meilleure façon de résumer le plus simplement, c'est, Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort et maintenant le monde lui appartient. Ensuite, la manière que tu te positionnes face à cette victoire-là et détermine le reste pour ta vie. Mais Christ est Seigneur, il a vaincu la mort et c'est lui qui est le Seigneur de l'univers. Maintenant, est-ce que tu demeures dans ta rébellion face à lui ou est-ce que tu te soumets à ce Dieu maintenant de vie, de joie et de bonheur? Est un, mais c'est la déclaration de la Seigneurie et de la victoire de Jésus sur toute chose. Tu peux partager l'effet que l'Évangile a eu sur ta vie, mais nous invitons à la proclamation de l'Évangile et ensuite libre à chacun de se positionner face à l'Évangile. Je partage l'Évangile et j'invite à l'Église pour la prédication de l'Évangile. D'ailleurs, dans les sondages, je le montre que, je pense, que quelque chose comme 95 des chrétiens ont donné leur vie sous une prédication de l'Évangile. Ils, ils ont été intéressés et invités par quelqu'un qu'ils ont vu l'Évangile avoir un impact positif dans sa vie. Mais le moment déterminant, c'est la prédication et la proclamation de l'Évangile. Et c'est ce que Dieu dit dans l'Écriture. Le moyen qu'il a choisi, c'est la folie de la prédication de la croix. Est-ce que je peux entendre un amen? Sixièmement, la puissance de Dieu pour vivre l'unité, la vraie unité. Vous savez, les épîtres dans la Bible, c'est des lettres qu'on écrit pour répondre à des besoins et à des problèmes dans l'Église, qui nous servent encore aujourd'hui parce que le monde change, mais on reste le même monde. Mais c'est des réponses. Et même l'Épître aux Romains, qui est considéré comme étant le plus grand traité de la bonne nouvelle de Jésus, le plus grand traité théologique de, de la Bible, reste ultimement à la base d'une réponse à un problème dans une église. Et je ne sais pas si tu as déjà fait euh, l'exercice, quand tu entends... Une conversation au téléphone, donc tu as juste une partie de la conversation, c'est comme possible de, 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 de reconstituer un peu la communication. Moi, ça m'arrive souvent quand j'entends ma femme parler au téléphone, que je suis capable, en, juste en écoutant sa version, son côté à elle, ses réponses à elle, je suis capable de savoir, OK, elle parle à sa mère ou elle parle à sa sœur. C'est quoi le sujet qu'ils sont en train de discuter ensemble? Je suis tout seul qui fait ça? Je suis seul et je, suis, je suis fou. <laughs> je suis capable de reconstituer habilement qui et quoi. En écoutant juste la moitié de la conversation. Et c'est ce qu'on a avec les Épîtres. On a la réponse, mais avec la réponse, on comprend aussi à quoi ça répond. Et dans ce, ce petit passage qu'on a lu aujourd'hui, on commence à voir les premiers indices qui vont être traités bien plus en profondeur plus tard, mais les premiers indices du problème auquel Paul répond dans, euh, dans l'Évangile. Et voici, Paul va dire Je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. Paul répond à un problème de division ethnique et raciale dans l'Église. Et même, on voit un peu plus que ça, même peut-être même des divisions de classe entre les riches et les plus pauvres et les servants. Il y a diverses sources de division dans l'Église. Et Paul veut montrer comment l'Évangile est la puissance de Dieu pour réunir tous les peuples de la terre qui s'étaient divisés autrefois. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que tu le crois que la puissance de l'Évangile réunit? Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que l'Évangile ne mène pas nécessairement à l'uniformité. On ne perd, nous avons tous des facettes de notre individualité que nous mettons en commun ensemble. On ne perd pas des facettes importantes de notre individualité, mais nous sommes appelés avec, ces, avec, avec cette, cette multitude-là de diversité à vivre dans l'unité. Pas l'uniformité, mais dans l'unité. Un corps n'est pas composé du même membre répété. C'est plusieurs membres, mais qui vivent dans une unité complète, par contre. En Jésus Christ. Et Paul, lorsqu'il parle de l'Église, va utiliser plusieurs thèmes pour nous rappeler que ce qui doit être mis en avant, premièrement, n'est pas notre individualité, mais qu'est-ce qui nous unit tous, premièrement. Nous sommes baptisés dans le sang de Jésus qui couvre notre péché. L'élément le plus déterminant de notre vie n'est pas le sang de nos veines, mais le sang qui couvre notre péché. Nous sommes tous dans un même esprit. Ce qui devrait être le plus déterminant, premièrement, dans nos vies, n'est pas la culture dans laquelle nous sommes ou nous venons, mais l'Esprit de Dieu qui nous fait de nous une nouvelle société pour Dieu. Le nom le plus déterminant dans notre vie ne doit pas être le nom de notre Père, de notre tribu, de notre clan, mais le nom de Jésus qui fait de nous un nouveau clan, qui fait de nous une nouvelle tribu en Jésus. Le, la, la famille la plus importante pour nous ne doit pas être notre arbre généalogique, mais doit être la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu. Et alors que Dieu fait de nous des citoyens déjà d'avance de son royaume, notre citoyenneté la plus importante ne devrait pas être celle qui est terrestre, mais celle qui est céleste. Et concrètement, ça s'applique à tous. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que mon propre frère de sang qui renierait, et rejetterait le Seigneur, je dois réaliser que je suis beaucoup plus uni à une grand-mère en Ouganda, à l'autre bout de la, de la terre, qu'à mon propre frère. Mon lien premier qui prime, c'est celui qui est en Jésus Christ. Et ça s'applique à tout le monde. Que ce soit le nationaliste qui a peur, qui se referme, qui se referme sur lui et qui a peur de l'étranger qui se referme. Ou que ce soit de l'autre côté l'expatrié qui, malheureusement, pour plusieurs raisons, a été obligé de s'expatrier, qui arrive dans un pays qui est inconnu. Et bien sûr, ça va être beaucoup, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'aller retrouver ceux qui lui ressemblent, les siens, euh, des églises. Et on le voit, des églises qui vont parler sa même langue. Et il y a un, y a un but pour ça, puis il y a un temps pour ça. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que la nature humaine est de construire des murs et de les laisser là. Alors qu'il va dire en Éphésiens 6 que l'œuvre de l'Esprit détruit les murs qui nous cloisonnent et nous séparent les uns des autres. Si nous travaillons main dans la main dans l'Esprit, nous n'allons pas construire et laisser des murs qui nous séparent, mais si nous travaillons main dans la main dans l'Esprit, nous allons œuvrer. Ça va demander de travailler contre notre nature, ça va être contre-intuitif, mais nous devons œuvrer à détruire tout mur qui nous sépare les uns des autres et vivre dans une unité parfaite en Jésus-Christ. Et moi, ça m'a béni. Il, il, y a, il y a quelques temps, j'avais entendu un commentaire sur la jeunesse, sur le ministère que, 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 que j'exerce ici, qui m'avait tellement béni. Il y a quelqu'un qui avait visité l'église, ça, ça faisait peu de temps qu'il était ici, et il regardait le ministère jeunesse et un de ses premiers réflexes, j'aurais jamais pensé que c'était ça, ça, la première chose qui l'aurait frappé et touché profondément, c'était de voir l'unité dans la diversité de notre leadership jeunesse. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des jeunes ados qui commencent à servir, des jeunes adultes et même des parents plus âgés qui viennent servir. Il y avait des gens de toutes nationalités, hommes, femmes, âges, de différents milieux. On avait des, des jeunes avocates comme d'autres personnes qui ont plein d'autres types d'emplois, plein de gens de différents milieux qui étaient unis ensemble pour une seule cause, pour la famille de Dieu. Et la personne dit :« J'ai jamais vu ça dans le monde. » J'ai jamais vu une telle unité forte dans le monde d'une manière qui est complètement désintéressée. Que le but, il n'y avait rien de pécunier, rien à acheter. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour unir. Et véritablement, c'est l'Évangile qui unit les nations parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais le, le, la tentative qu'on a même dans notre société d'unir les cultures séparées, c'est une initiative qui est toujours venue de l'Évangile, premièrement dans l'histoire humaine religieusement, dans toutes les nations, si tu lis dans les livres d'histoire, chaque nation avait son Dieu qui veillait sur son territoire. L'évangile, c'est la première fois que Dieu dit, je suis le Dieu de toute la terre qui veut réunir la terre à lui. Et même, même au niveau aujourd'hui, même au niveau aujourd'hui, au, aujourd au niveau de la loi, lorsqu'on parle de la dignité humaine, c'est vrai que le concept de dignité humaine comme une valeur suprême de notre société, encore une fois, est issu de la Bible. Philosophiquement et scientifiquement, on n'est jamais arrivé au concept de la dignité humaine comme valeur absolue. Jamais, parce que, au, niveau, au niveau de l'athéisme, Darwin disait qu'il il, il catégorisait l'humanité en espèces et en sous-espèces. Et de l'autre côté, les religions anciennes catégorisaient, catégorisaient l'humanité en différents types de castes, dont seulement les seigneurs étaient issus de Dieu et les autres étaient des races inférieures autant au niveau de la foi que de la science et de la philosophie, on séparait l'humanité. C'est le christianisme qui a dit que non, Dieu est le père de toute l'humanité au complet et en Jésus-Christ, nous sommes restaurés comme une seule famille en Dieu. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu si tu, si tu crois? Septièmement et dernièrement, et j'invite les musiciens à venir me rejoindre, je suis fier de l'évangile. Je suis fier de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver. Il n'y en a pas d'autre. Je suis fier de l'évangile parce que non seulement l'évangile me sauve, mais c'est aussi l'évangile qui me motive à vivre et à plaire à Dieu. C'est aussi l'évangile qui me donne une vision claire de la vie. C'est l'évangile qui donne la puissance à ma vie spirituelle. C'est l'évangile qui permet de vivre, lorsqu'on marche main dans la main avec l'Esprit, le la véritable unité sur terre. Mais dernièrement, la puissance de l'évangile. Pour affronter les épreuves de la vie. L'Évangile est appelé à devenir une ressource spirituelle, surnaturelle dans ta vie, inépuisable, une ressource inépuisable contre l'adversité de cette vie imparfaite à cause des effets du péché. Je ne sais pas si tu as déjà euh, pensé à ça, mais Paul, lorsqu'on regarde ce que Paul projette, on ne l'a pas devant nous, mais on a son Écriture et on peut le lire dans les Actes. Lorsqu'on regarde à ce que Paul projette, le réflexe souvent qu'on a lorsqu'on pense à, à la projection de Paul, on, va, on, on pense à quelqu'un qui est passionné par l'Évangile, quelqu'un qui a l'air d'être joyeux, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est emballé, qui est zélé. Et pourtant, lorsqu'on regarde attentivement sa vie, c'est quelqu'un qui, qui en subit des choses. Paul a été trahi, rejeté de tous, il a été harcelé, malade, mis en prison, il a été moqué, il était vieillissant et il vivait tout ça en même temps. Puis, je dis harcelé, il y avait des groupes qui le suivaient d'église en église pour défaire le ministère qu'il faisait, il a été condamné à mort plus d'une fois, battu. Mais pourtant, ce qui, ce qui reste comme impression lorsqu'on regarde Paul, c'est un homme joyeux, heureux, passionné, zélé par l'Évangile. Ça m'a amené à me poser même moi-même cette question-là, que je vous invite à vous poser. Je me suis dit, quelle est l'image que je renvoie aux gens? Est-ce que je renvoie l'image d'un martyr victime de la vie qui subit, qui subit les, les, toutes les épreuves de la vie des gens autour de moi? Ou je renvoie l'image de quelqu'un qui, oui, mais la, la vie est souffrante, il y, des, il y a des difficultés dans la vie, mais quelqu'un qui est capable d'aller retrouver sa joie et sa paix, et sa consolation dans la bonne nouvelle de Jésus? Je vous invite à vous poser la question quelle est l'image qu'on renvoie aux gens? Et oui, la vie a des, a des difficultés qu'on doit affronter, mais une des puissances qui, personnellement, j'ai redécouvert dans l'Évangile, et que je continue de découvrir, c'est que oui, il y a des éléments qui font peur, qu'on ne contrôle pas de la vie. Mais l'Évangile peut nous donner les ressources surnaturelles pour être capable de passer au travers ces moments-là, parce que l'Évangile nous rappelle et peut nous donner cette conviction là auquel on doit s'attacher dans le quotidien, dans les moments incontrôlables. Dieu demeure souverain sur ce qui arrive autour de moi. Mais plus que Dieu demeure souverain sur ce qui arrive. Tout autour de moi que je ne contrôle pas, je sais que Jésus a subi déjà le pire inimaginable à la croix, pour qu'il ne reste au bout de mon chemin que le meilleur inimaginable pour vous et moi, qui sommes en Jésus. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que lorsque je vis des moments troubles, je sais que c'est pas le pire inimaginable. Le pire inimaginable c'était la coupe de la colère de Dieu. Et Jésus l'a déjà bu pour moi. Et je sais qu'il reste le meilleur inimaginable. Et Ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que dans les moments difficiles, je sais que c'est pas le pire et je sais qu'il reste encore le meilleur devant moi. C'est une bonne nouvelle même dans les beaux jours de ma vie, le jour de mon mariage, le jour de la naissance de mes enfants parce que je sais qu'il y a encore quelque chose de plus beau, c'est même pas le meilleur, le meilleur inimaginable Il est encore en avant à cause de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Papa vient nous chercher et un jour il vient nous rechercher il vient nous rechercher pour une joie et un party éternel qu'on ne peut même pas imaginer qui est comparable à rien de ce qu'on a déjà vécu. Je me souvent je me remémore souvent ces temps-ci euh, la première fois que je suis venue, que j'ai le souvenir d'être venu à cette église-ci, euh, quand je laisse ma fille à la garderie et qu'elle pleure et que je, je lui dis que papa et maman vont venir te chercher, puis là, elle répète elle dit, papa et maman viennent toujours, toujours rechercher. Elle doit se répéter cette phrase-là parce qu'elle est en larmes. Et je me souviens, j'avais 4-5 ans. Mon père, en été, vient visiter cette église-ci et il me laisse à la, à la garderie. Et juste avant, il me rappelle que ça faisait des semaines que je demandais à un sabre laser de Star Wars. Et il me dit, quand l'église va être finie, parce que ça fait des semaines que j'étais gentil, puis là j'avais le droit d'avoir mon sang blazer Quand l'église va être finie, je vais t'amener au Toys R Us. On n'y allait pas souvent quand j'étais jeune. Le Toys R Us, c'est le paradis quand t'as 4-5 ans. Il dit, je vais t'amener au Toys R Us, puis je vais t'acheter le sang blazer que tu veux. Et là, il me laisse à la garderie. Une église inconnue, une église qui est immense pour moi, les gens que je ne connais pas, la monitrice qui allait être, à l'époque je ne le savais pas, éventuellement ma belle-mère en plus. <laughs> Et, 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 là, et là, je suis là et, et je ne connais rien. Je suis dans un environnement qui me stresse. J'ai envie de pleurer. Et là, on nous donne, un, on nous donne, un, on nous donne des, des dessins pour nous demander de dessiner ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je dessine? Papa vient me rechercher. On s'en va au Toys R Us puis il va m'acheter un sable laser. Dans les pires moments de notre vie, on doit revenir au texte, revenir à l'écriture et dire Papa, il revient nous chercher. Et ça va être un party, un plaisir inimaginable, même plus grand que la joie d'un enfant à aller chez Toys R Us. Frères et sœurs, levons-nous, allons en louange et redécouvrons la joie, retombons en amour et en passion avec la bonne nouvelle de Jésus et ses implications dans notre vie. Amen.